Puisque le premier fauchage d'OGM avait eu lieu en 97 dans l'Isère, donc c'était sur un colza de Monsanto, donc on avait fauché. Donc suite à ça, il y a eu beaucoup de... Alors on a fauché ça, c'était la Confédération paysanne, mais aussi des consommateurs, des associations environnementalistes, etc. Il y avait tout un collectif de gens qui ont... il y avait 300 ou 400 personnes hein, qui ont fauché de plein jour. Alors à l'époque, c'était avec des faux, avec... voilà, bref. Donc ça a été... Ça a donné lieu à faire à des procès... etc. Il y a trois paysans qui se retrouvent en procès, ça a duré de nombreuses années. Après, il y a eu d'autres fauchages dans la Drôme, dans la région parisienne, etc. Jusqu'au jour, et ça c'était plutôt la Confédération paysanne qui était partie prenante, jusqu'au jour où il y a des gens qui se sont dit « mais en fait, la Confédération paysanne, elle se met en danger à continuer ça, quoi. » Donc on va créer une association, enfin pas une association, un mouvement, dans la mesure où le problème des OGM, il concerne pas que la production, il concerne aussi l'alimentation, la nature et tout. Donc voilà, on a créé les faucheurs volontaires ont été, le mouvement a été créé en 2003. Donc c'était 5 ans après le premier fauchage. Hein. Et donc sur une base de désobéissance, d'action de désobéissance civile non violente, en se disant on a fait tout ce qu'il fallait pour faire reconnaître que en fait on pouvait pas vivre avec des OGM. Donc on estime qu'il n'y a plus que la désobéissance civile qui peut faire avancer la question. Donc il y avait eu un gros travail de Greenpeace, des consommateurs aussi, et puis la Confédération paysanne aussi, qui montait au créneau donc, vis-à-vis du ministère et tout ça. Et tout ça, ça a fait que, en 2008, on a eu le premier moratoire sur le Mont 810. Et ça s'est recontinué, et aujourd'hui, 20 ans après, le Mont 810, le maïs est toujours interdit en France, il y a même une loi pour interdire le maïs OGM, maïs transgénique, pardon. Alors qu'en Espagne, par exemple, il n'y a jamais eu ces combats, pour des tas de raisons. Hein. Et aujourd'hui, du maïs Mont 810, il y en a beaucoup en Espagne, ce qui rend pratiquement impossible la culture de maïs non OGM, qu'il soit bio ou non bio, mais ça devient pratiquement impossible de cultiver du maïs non OGM en Espagne. Si en 2010 il y avait quand même eu quelque chose qui a été très important, c'est le fauchage de la vigne OGM de Colmar. Donc c'est l'INRA qui menait un essai de vigne dont le porte-greffe était résistant au cournoué, donc une maladie de la vigne. Donc là, ils nous ont quand même déclaré coupables, mais en disant, ils étaient un peu entre les deux, parce qu'ils nous ont dit, vous êtes relaxé de peine. Vous êtes coupable. Déclaré coupable d'avoir fauché, vous êtes rentré dans une propriété privée, etc., même si c'est l'INRA. Mais vous aviez quand même un petit peu raison, parce que on vous dispense de peine. Donc on a été dispensé de peine. Parce qu'il faut savoir quand même qu'à chaque fois, pratiquement, à part une fois ou deux, il n'y avait pas de relax, quoi. On était condamné à de la prison avec sursis, souvent. Premier procès avec José, il y avait même eu prison. José était allé en prison, ça durait un certain temps, une quarantaine de jours, je crois. Mais après, c'était de la prison avec sursis, parce qu'ils voyaient très bien que s'ils mettaient les gens en prison, les citoyens se mobilisaient, et ça, pour eux, c'était contre-productif, quoi. Quand on fait un fauchage, on a une chance sur 4, peut-être 3 ou 4 ou 5 d'avoir un procès. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des dommages et intérêts à payer. En réalité, il y a, en général, il y a toujours une solidarité financière qui s'exerce, et c'est arrivé qu'on paye des dommages et intérêts souvent assez importants.
une année, il y a une copine de Saint-Étienne qui s'était retrouvée avec un prélèvement par l'Imagrin, avait demandé le prélèvement sur son salaire directement. C'est-à-dire que tous les mois, pendant un certain temps, son salaire était amputé de, je ne sais plus combien, 500 euros par mois, quoi. Donc là, il y a la solidarité qui joue. Une fois, il y a l'appartement à Paris d'un des faucheurs qui a été saisi. Donc il a fallu racheter l'appartement. Ça a coûté 200 000 euros. Colmar, ça nous a coûté 57 000 euros de dommages et intérêts. Et à chaque fois, il y a des dommages et intérêts quand on perd un procès, parce que la personne qui est en face de nous, il demande des dommages et intérêts, quoi, pour payer le dégât qu'il y a eu. Alors, il y a aussi les OGM, ils arrivent en France aussi par d'autres moyens. Il y a aussi les importations de soja qui viennent voilà. Et là, il y a aussi des actions des faucheurs contre des importations de soja. Par exemple, aller dénaturer une cargaison dans un bateau, dans un paquebot. Il suffit de mettre du brou de noix, hein, ou sur la cargaison, et puis c'est foutu, quoi. Enfin, voilà. Et là, c'est pareil, on n'a jamais eu de procès sur les importations de soja. Alors, quand par exemple on fait une action sur les importations de soja, ils vont nous accuser d'avoir tagué sur le mur, d'avoir mis OGM, non, 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 etc., ou d'avoir écrit sur la route, mais ils vont pas nous condamner, nous porter plainte pour avoir détruit des milliers, des centaines de tonnes de soja transgénique. Ils refusent le débat, ils refusent. Il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est la relaxe au procès de Dijon, où, alors là aussi on était une soixantaine je crois, c'était du colza muté, et on était relaxé définitivement là-dessus. Le tribunal, en fait, il n'a pas voulu nous condamner, quoi, réellement. Alors il a trouvé une raison juridique un peu, voilà, mais on a été relaxé, et c'était en fait sur le colza Clearfield, et maintenant on sait que le colza Clearfield, non seulement c'est issu de mutagénèse, et que c'est une VRTH, donc une variété rendue tolérante aux herbicides, mais en plus, quand ils l'ont mis en culture il y a 7 ou 8 ans, ils auraient dû faire une demande d'autorisation, comme OGM, parce que pour l'obtenir, ils avaient utilisé des techniques qui relèvent de la législation OGM. Et voilà, donc ça a été l'occasion de dénoncer ça. Et ensuite, il y a eu la Cour de justice européenne, le Conseil d'État, Cour de justice européenne, enfin avec toutes les suites qu'on a. Donc je pense que ces réussites, ces victoires qu'on a eues à la Cour de justice européenne et au Conseil d'État, je crois que c'est comme dans chaque grande lutte, c'est toujours une conjonction de différents modes de lutte. Donc il y a le côté proposition, négociation, discussion, qui est plus le fait d'organisation pignon sur rue, quoi, que ce soit la Confédération paysanne ou d'autres, rendez-vous auprès des ministères, etc., ou action aussi, action juridique. Là, c'était une action juridique qui a été menée par 9 organisations. Mais c'est aussi parce qu'à côté, il y a des actions beaucoup plus directes, on va dire, sur le terrain. Et je crois que les deux sont importants. Ce qu'on constate aussi, si c'est important de dire, c'est qu'on sent une espèce de boycott de la presse. Parce que ce qui est important aussi, c'est de le faire savoir. Quand on fait une action comme ça, un fauchage, il faut le faire savoir et puis dire pourquoi on le fait, etc. Mais là, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'avoir des articles dans la presse. Il y a une sorte de boycott, je pense, de la grande presse qui ne veut pas qu'on en parle. Le mot de la fin, c'est peut-être que aujourd'hui, je crois que les firmes multinationales, l'industrie semencière, a essayé de complexifier au maximum toutes ces questions. Et aujourd'hui, on a des techniques très compliquées à décortiquer, à comprendre. En fait, un OGM, ça tient à peu de mots. Ça tient à 2 ou 3, que ce soit des OGM transgéniques, issus mutagénèse, nouvelles techniques, etc. C'est toujours la même chose. C'est des organismes qui ont été manipulés génétiquement. C'est des organismes qui ont été faits pour être dans un type d'agriculture industrielle. Donc
qui utilisent des désherbants, des produits chimiques, etc. Et aussi pour une alimentation industrielle, une alimentation voilà, comme celle qu'on ne veut pas. Et puis, le troisième point, qui pour nous les paysans est peut-être le plus important, c'est la question du brevet et de la confiscation des droits, de nos droits de paysans et de consommateurs. La privatisation du vivant, la privatisation de c'est un accaparement, quoi. Perte d'autonomie, etc., perte de souveraineté alimentaire et tout. Donc ça, c'est vrai que ici, à la Vieille Campesina, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde partage un peu ces craintes-là, quoi. Et le fait d'avoir eu cette victoire-là au Conseil d'État, enfin à la Cour de justice européenne et ensuite au Conseil d'État, je pense que c'est vraiment un grand événement parce que on voit en ce moment les firmes, bon, elles vont essayer de contourner, hein, elles vont essayer de trouver des moyens pour quand même nous imposer leurs OGM sans les étiqueter, sans les réglementer. Ils vont chercher par tous les moyens. Mais là, quand même, je pense que ça a été. Ils ont pris un bon coup sur la figure, quoi. Donc voilà, ça veut dire aussi que c'est important et que c'est utile de se mobiliser au sein de nos petits groupes, mais aussi collectivement avec d'autres organisations.